C'était la solution de facilité. Je pense que beaucoup l'auraient fait, que même beaucoup le font, d'arrêter l'entreprise X pour créer l'entreprise Y. Mais j'ai hésité. Clairement, j'ai hésité. Mais je me suis dit impossible parce que déjà, j'assume mes responsabilités. Pour moi, c'est plus que le nom d'une marque, c'est un symbole, tu vois. Quand quelqu'un me fait confiance, j'y vais moi. C'est les piscines de Romain, c'est mon prénom, c'est ma tête. Et je me suis dit, il est hors de question d'abandonner ça, de repartir sur quelque chose de nouveau, parce que j'aurais l'impression d'abandonner mes clients. Et il est hors de question que les clients puissent penser que je les abandonne en partant sur quelque chose de nouveau. Je veux montrer à mes clients que je suis là, que même si ça va prendre du temps, eh ben, je ne suis pas prêt de les lâcher. Et je vais surtout aller au bout de ce que j'ai mis en place. Alors j'ai eu une petite erreur de parcours, même si la vérité est en train d'arriver. Et il va y avoir des décisions de justice qui vont arriver et qui vont montrer à beaucoup de monde que j'ai été victime de quelque chose d'assez fou. Je n'en parle pas aujourd'hui parce qu'il y a de la justice au milieu. Et partir sur quelque chose d'autre que les piscines de Romain, j'aurais l'impression de faire un cadeau énorme aux personnes qui m'ont attaqué. Et je ne peux pas leur faire ce cadeau. Le meilleur des cadeaux que je peux leur faire, c'est de rester debout, d'encaisser les coups, de continuer dans le projet, tout ce que je me suis fixé comme objectif. Et aujourd'hui, la plateforme, vu que le temps de l'appel, je ne peux pas vendre, et vu que beaucoup de personnes se sont battues pour aider les piscines de Romain, tu vois, même ces personnes-là, je n'ai pas le droit de partir avec un autre nom parce que c'est des personnes de ma communauté qui sont venues m'aider pour aider les piscines de Romain, pas pour aider Tartampion, machin ou autre. C'est pour ça que je reste sur les piscines de Romain. Je vais mettre en place une plateforme qui va mettre en relation les professionnels avec les particuliers. Je vais juste offrir ma visibilité aux pros du monde de la piscine et du jardin. Et je vais aller au bout du bout du bout avec les piscines de Romain. Parce que dans la vie, l'échec n'est pas fatal. Le plus important, c'est de rester digne, de rester debout, de croire en ses rêves, de ne pas abandonner. Et je vais tout faire pour ne jamais abandonner, pour montrer à tout le monde que tu peux être en haut, tu peux être en bas. Tout le monde a eu des moments durs dans sa vie, tout le monde. La seule différence, c'est d'abandonner quand tu es dans un moment dur et de dire, ah ben c'est trop dur, j'arrête. Non, non, non. L'important, c'est de continuer. Et on va attaquer dès lundi la plateforme avec les piscines de Romain. Et je vais défendre ça, mais jusqu'au bout du bout du bout, même si c'est très très compliqué, parce qu'actuellement c'est compliqué. Mais après la pluie vient le beau temps. Toujours rester positif, toujours croire en ses rêves et accepter le fait que ben, par moment, ben, la vie c'est compliqué. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a jamais personne qui va arriver et qui va te dire, ah, ben, pour moi, la vie c'est le top du matin au soir depuis que je suis né. Et des fois, des problèmes avec la maladie, des problèmes de séparation, des problèmes avec des décès, des problèmes au niveau du boulot. Voilà, tout le monde passe par là. Et là, j'ai pris un gros coup sur la tête, mais vous allez voir, je suis persuadé que ça va être très bénéfique dans le futur. Et je vais tout vous montrer de toute façon. On va continuer à assurer les chantiers des clients, même si c'est compliqué. On va mettre en avant plein de partenaires. Et on va tout restructurer de manière à ce que ce soit plus solide que jamais. Et à l'appel, arriver avec un gros dossier, gagner l'appel, mettre une claque énorme à tous les haters qui ont cru qu'ils m'avaient tué. Parce que j'ai reçu des messages, on t'a tué, on verra plus ta tête sur les réseaux. Les mecs, c'est des tarés, je ne les connais même pas. Toutes les personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont fait du mal, la meilleure des réponses, ça va être de relever la tête, garder les piscines de Romain, réussir avec les piscines de Romain, garder ma ligne de conduite, juste apprendre de ces erreurs, apprendre de cette période, et après ça va être que du bon.